Ravi de vous retrouver pour la suite de notre aventure sur Blair Witch. Oh là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un bruit chelou dans mes oreilles. Oh là là, ça fait mal aux oreilles. Donc on va continuer. On va continuer hein, parce que j'ai commencé, donc on va finir. Alors... What? D'accord, j'ai plus accès au portable. Ah, j'ai plus accès à la caméra. Allez, je vais me lever. Je vais m'éloigner de l'écran. Je suis désolé, ça a fait un peu de bruit. Peut-être de votre côté. Hop, je vais me mettre bien. On y va, hein. Dieu que pourra. Hein. J'espère que c'est bientôt fini parce que j'en peux plus. Oh putain. Ouais. Donc je suis censé faire comment? Ah oui, il est bien devant moi en plus, je le vois. Ah oui, on le voit là, regardez. Comment je suis censé faire là? La lumière peut-être? Attendez. Non. Je suis censé faire comment là les gars? Alors là je vois pas comment je suis censé faire. Je fonce? Vous pensez que si je fonce dans le tas... ça va le faire. Attendez, je vais regarder sur la caméra s'il n'y a pas une autre... Il y a marqué quoi? La lumière... Le réveil. Ouais. D'accord, il faut passer par là, donc je sais pas comment faire. Tu regardes, tu meurs. Ah, il est plus là? Ah si, il est là. Tu le regardes, tu meurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas que je le regarde? N'empêche, il est mal fait. Enfin, je trouve qu'il est mal fait. Tu regardes, tu meurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe ma route. Je suis censé faire quoi là? Je vais passer? Je vais passer et puis je regarde pas, c'est ça? Bon, on va essayer. On passe et on ne regarde pas. Voilà. D'accord. Donc, ok, si je regarde, je meurs. C'est bien ça. Donc, il faut pas regarder. Donc, comment on est censé passer, là? Comment on est censé se passer? Parce qu'on est obligé de le regarder où on va, quand même. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, mais je dirais rien pour le moment. Faut pas regarder. Moi, je veux bien ne pas regarder, mais... Sans gentil.
Donc je fais comme ça. Je suis le chemin. Ouais, mais ils sont marrants. C'est des comiques. C'est pas que des développeurs, c'est aussi des comiques. Parce que je suis le chemin. Alors. Allez, bon. Rien, je me concentre. Désolé pour la voix qui est derrière, c'est. Je tiens à m'excuser quand même. Pour le bruit qu'on entend derrière. Faut descendre. Putain. Je pense qu'il faut descendre. Bon, allez, deux queues pour un. Conrad. D'accord, donc en fait, il fallait pas venir là. Je pense qu'il faut monter, non? Je sais pas du tout où faut aller. We got a robbery in progress. A convenience store near Burkittsville Road. Those kids again? Yeah, probably. What the fucking good? Oh la vache. Ellis, what are you doing out here? Ça y est, ça commence. Hop, 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 hop. N'aie pas peur. Putain de ta mère.
Oh putain. Copy, Alice. Over. Ah. Oh putain. What? Did you shoot anyone today? Alice, answer me. You pretty kill. Oh. Disappointing. Putain la vache. Oh la vache. Off the record, Ellis. C'est pas si bon ça. Ouais. A local teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirmed that the suspect was unarmed. Unarmed. What the... Putain la vache. Ouh, je dis rien parce que là je suis pas bien. I'm to blame for that. La vache. On est où là? It's not ah oui. Where it all started, is it? Putain. Oh, encore des insignes. Hein? Oui. Ok, si tu veux. Oh, here comes our handsome lad. Hey, is it true you shot your pretty face off at Basic Granny? Hey, shh. He's coming. What? What the fuck? Sir! Sir! Yes, sir. What's it called? Free Butcher. Oh, putain! Sir! 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 Vache.
Putain, la vache. Oh la vache. Oh putain. Monarch, this is Foxtrot 1. We confirmed enemy soldiers at 2 o'clock. They are unaware of our presence. Out. Mon Dieu. Oh putain. Oh putain la vache. Oh putain! Oh putain, non! Oh la vache! Oh putain. Je ne dis rien parce que je suis pas bien. Putain. Qu'est-ce qui va nous arriver encore ? Oh putain ! What? Putain. Bon, c'est bon, on peut plus là. Achevez-moi. Oh la vache. Ah, succès. Ah oui, d'accord, j'ai eu 15 totems. Hein. Ou 10. Ça, c'est moi, ça, non ? Enfin, ça me ressemble. Oh putain. On est à la Syrie, là ? Ah oui, putain. Oh la vache. Franchement, si j'arrive à finir ce jeu, pour moi ça sera un excellent espoir. Ça sera mon premier vrai jeu d'horreur que je finis en direct.
Donc. That's right. I saw it in the last video. Alors. Ouais. Alors. Oh putain, il y a du sang partout. Ouais, c'est un truc de dingue. Je peux sauter, je peux passer par là, non? Par là, peut-être. Par où je peux passer? Ah, bah oui. Peut-être la vidéo, là, la caméra. Voilà. Ah, par contre. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que tu es quelqu'un de bien, Ellie? Comment est-ce que tu envisages ton avenir? Oh putain. Tu es là, c'est ton ombre. Au secours. Oh putain de ta mère! C'est prenant, ce jeu est très prenant. Shit. Oh non, pas encore. Je suis censé aller là-bas, mais il est là-bas, putain. C'est abusé. C'est abusé. Il faut pas regarder, mais attendez, il faut pas regarder. Moi, je veux bien pas regarder. Je suis censé passer là, mais il faut pas que je le regarde. C'est chaud là. C'est très chaud. Je réfléchis, hein, comment je peux passer là. Bon, ça va être tendu. C'est une maison de ouf. Sérieux, quoi.
Shut up! C'est la sorcière de Blair Witch. Oh putain. Abusé. Oh c'est abusé. Oh la vache quand c'est abusé. Putain. Il y en a un juste à côté là. Comment c'est abusé. Non abusé quoi. Putain. Il me voit? Non, il vient pas vers moi quand même. En fait, il faut attendre qu'il parte. Après, passer, c'est ça? Attendez, c'est ça ou pas? Je pense, hein. D'accord, il revient. En fait, faut attendre qu'ils partent. Au moment où ils partent, il faut aller. Je pense que c'est ça, en fait, la solution. Je pense que c'est ça, la solution. On va attendre qu'ils repassent. Et qu'ils partent, et on va tenter. On va tenter, on verra bien ce que ça donne. Bon, on est passé. Est-ce qu'il va nous tomber sur la gueule encore? Sylvester Boyce. Roscoe Hayward. They're all dead. Because of me. Ah oui, d'accord. Faut pas être cardiaque, hein, les gens. Faut pas être cardiaque. Je dis rien, je vous laisse. Je dis rien, je me concentre, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises ou quoi que ce soit, et puis en plus c'est angoissant, donc c'est pour ça que je dis pas grand chose. Je suis vraiment désolé. Oh putain. Ça, ça pue. Ça pue, Lulu. C'est quoi ça? Égoïste. Assassin. Ok. Oh putain. Oh la vache. Je pense qu'en fait on a tellement tué. Marqué quoi ça, ça. Oh putain. Ah.
Oh la vache. Oh putain. We see what you've done. Try as you might, you can only do one. Voilà, ça a lagué là. Il y a un petit lag. Allez, on est bientôt à la fin, je pense. Ah, j'ai enfermé. What? Putain. Tout va bien jusqu'ici, tout va bien, c'est pas grave. Oula. Get a hold of yourself. Oh la vache. Oh putain. Attendez, il faut que j'aille où ? Oh non, putain, il m'a vu. Oh le con. Il m'a vu. Oh le con. Oh putain, il m'a vu. Je suis censé faire comment là? En fait, faut que j'y aille sans le voir. C'est chaud quand même. Là, c'est chaud quand même. C'est vraiment chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. On arrive bientôt à la fin, je pense. Enfin, je dis ça. Je ne dis rien. Alors. Ah, je suis censé passer comment là ? Prudent. Ouais, je veux bien, prudent.
faut tout le temps regarder le sol, je pense. Je pense que c'est ça. Faut tout le temps regarder le sol. Je dis pas grand chose, je suis désolé. Mais j'essaie de me concentrer en fait. Bon, allez. Oh putain! Oh la vache! C'est abusé là. T'es un peu un résident de tes villes. Mon dieu, oui, tu l'as dit. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu ne peux plus te regarder hein, dans le miroir, n'est-ce pas hein? La vache. D'accord. D'accord. Alors. Mais non, j'ai pas regardé. Mais non, j'ai pas regardé. What? Je me suis mis dans le coin. Mais non, mais j'ai pas regardé. C'est quoi ce délire? J'ai pas regardé, je me suis mis dans le coin, vous avez bien vu. Quoi ce délire? Je me suis mis dans le coin comme dans la vidéo pour pas qu'il regarde et il s'est retourné tout seul le machin. C'est quoi ce délire? Mais non, mais. J'ai pas regardé. Oh là là. Pff, c'est pressant, je suis désolé, je dis pas grand chose, mais c'est très très stressant. Putain, j'ai pas regardé, bordel. Pourtant, j'ai pas regardé, j'ai fait comme dans la vidéo.
j'ai pas regardé du tout. Je me suis mis dans le coin et j'ai attendu. Donc je sais pas. J'en prends pas trop le délire. Attends, j'ai fait comme dans la vidéo, je vous jure, j'ai pas regardé. Dans la vidéo, ils mettent bien, il faut que se mettre sur le côté, il faut pas regarder. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas regardé. D'accord, faut... Ouais, d'accord. Fuck. Bah, non. Oh non, 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 non. Behind you. Come on. Non, 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 tourne pas. Tourne pas, tourne pas. Stop. Te retombe pas dans ce tour. On va attendre que tout ça soit terminé. Voilà. C'est chaud, hein. C'est tendu. C'est très tendu. Qu'est-ce que c'est? Chelou, hein. Oh, moi, chelou. Hein. Oh putain. Faut faire quoi là? Quelle porte? À droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Moi je dirais droite. À droite. J'aurais dû peut-être prendre à gauche. Vache. Oh putain. Je suis bloqué là. Ah non. D'accord. Ok. Ah!
Oh putain. Que c'est notre propre femme. Ok. Tout va bien. Such filth. Well, that man lived here. Maybe for years. Ok. Oh putain. Oh mon Dieu. Ah la vache. What the fuck? Faut aller où là? Oh putain. D'accord. Oh la vache. On continue à descendre. Putain. C'est tendu. What the hell just happened? What was that? This is it. The basement. We're finally here. Peter. Peter. Peter, where are you? What? So many people. Did he kill them all? What? Attendez, je vais enlever la caméra vite fait.
prendre une petite photo, c'est juste pour moi personnellement. Voilà. Voilà. Ah, d'accord, c'est verrouillé. Que je dois. He's not here. What now? C'est génial. Did you really think you would be that easy, Ellis? That a kid would be waiting. L'enfant attend de sa joie que tu as. You can save him and go home a hero. No, Ellis. You don't get to do that. Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I. Come on then. The key's under the table. I'm waiting on the other side. Ah, d'accord. Bon, allez, on est parti. Ça va faire une vidéo très longue, mais ça compensera les petites vidéos très courtes qu'on a fait auparavant. Allez, c'est parti. Je sais pas ce qui nous attend, mais... No, 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 please, 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 please. God, I'm not gonna hurt you. Shush, no, 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 I'm not gonna hurt you. Please, 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 please. Shush, 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 shush. Quiet, quiet, quiet. I'm so sorry, sorry. Oh no, oh my God, oh my God. You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily! Breathe. Breathe. I won't let you! She always wanted you to become... Shut up!
Ah bah voilà, bah c'est terminé. Ouf. Oh, quelle émotion. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce jeu. Plein de choses à dire. Si vous voulez de la peur... Attendez, on va couper ça. Hop, on va passer ça. Alors... Bah, si vous voulez de la peur, allez-y. Franchement, il est vraiment, vraiment flippant. Tellement flippant qu'à la fin... excusez-moi, le bruit de la chaise. Tellement flippant qu'à la fin, vous avez vu, j'en ai pas trop parlé. Je vous ai laissé plonger dans l'immersion, et puis je plongeais moi-même dans l'immersion. Mais c'est un bon jeu, ça reste un bon jeu, il fait le taf, hein, il donne l'horreur. Il fait le taf. Totalement le taf. Mais graphiquement, je peux pas vous dire ce qu'il en est, puisque je joue sur un écran qui est pas du tout adapté au jeu, donc voilà. Mais il y a eu quelques petits problèmes de structure de temps en temps. Des petits problèmes de structure, comme dans certains commentaires le disaient dans plusieurs forums, j'ai lu un petit peu les commentaires, et c'est vrai qu'il y a quelques petits problèmes de structure, mais c'est pas... Ça rame un petit peu par moment. Alors je sais pas si c'est dû au jeu, à la connexion ou quoi, mais on est, ça rame un petit peu à un moment, par moment et tout. J'ai même cru, il y a des moments où j'ai même cru que ça allait friser. Et en fait non, ça frise pas du tout. Voilà, en tout cas c'est un bon petit jeu, si vous voulez vous faire peur, n'hésitez pas à le faire, hein. Vous allez chier dans vos frocs, hein. Ça c'est sûr, moi j'ai bien flippé. Voilà, en tout cas, si vous avez le Game Pass, n'hésitez pas, il est gratuit, donc testez-le au moins. Et je pense que vous serez pas déçus, et puis si en plus vous êtes vraiment fan de la série, bah je pense que vous serez pas déçus non plus. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, hein, on est, franchement, je vous dis, c'est un très bon jeu. J'ai été ravi de vous le faire, de vous le présenter. Même si je vous avoue que je reviendrai pas dessus. Je reviendrai pas dessus, ça c'est sûr. Je reviendrai pas dessus. C'est clair et net. J'ai fini, c'est très bien, mais je reviendrai pas dessus parce que. Pas parce qu'il est pas bien, c'est juste parce que j'ai pas envie de me rechier dessus en fait. Excusez-moi l'expression. J'ai pas envie de me refaire dessus, donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que ce let's play vous aura plu. Moi, c'était une très bonne expérience. J'ai un peu dépassé mes peurs. La peur de pas faire trop de jeux d'horreur, hein, même si je suis un fanat de films d'horreur et tout. Ça se voit pas. Mais bon. Voilà, en tout cas, je suis content d'avoir affronté ma peur et d'aller au-delà de ma peur et de finir le jeu. Et vraiment, vraiment ravi. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve donc dans quelques temps pour une nouvelle aventure. C'est vrai que je suis un peu en décalé. Normalement, j'aurais dû commencer Gear 5 à peu près en même temps. Mais j'ai décidé d'aller mollo avec la chaîne YouTube, ne pas trop me précipiter, de faire des vidéos quand j'ai vraiment envie de le faire. Et de pas me frustrer. Rester moi-même surtout. Donc voilà, quand j'ai peur, bah, de oser m'arrêter et de faire une pause, comme machin, etc. Et d'essayer de pas m'énerver aussi, parce que j'ai remarqué que dans certaines vidéos, je m'énerve et c'est pas très intéressant d'entendre quelqu'un gueuler dans les vidéos. Donc essayer de moins m'énerver qu'avant et essayer de faire des vidéos et des jeux que j'ai envie de faire sur la chaîne. Etc. Même si c'est des jeux que vous avez déjà vus ou des jeux que vous avez déjà entendu parler, peu importe, je ferai. Voilà, donc je vais vous donner rendez-vous donc prochainement pour Gear, même si je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu le gameplay, la plupart d'entre vous ont déjà vu plein de let's play, mais j'ai quand même envie de vous faire partager cette aventure avec vous, découvrir et tout. Alors j'aurai pas la meilleure qualité d'image possible,
puisque je joue sur un écran qui n'est même pas full HD, donc c'est pour vous dire. Bref, on verra, on verra si j'investis ou pas dans le futur, on verra. Bref, peu importe. Voilà un petit peu les détails, en tout cas tout ce que je peux vous dire sur le jeu. La bande-son est géniale. Ça fait peur, ça c'est sûr. Si vous voulez avoir peur, vous voulez avoir peur. Si vous voulez vraiment péter un plomb, voilà, bon bref, c'est le jeu qu'il vous faut. Je n'ai pas fait Outlast, mais je pense que, voilà, on n'est pas poursuivi en permanence là, dans ce jeu, c'est bien. Par contre, à la fin, bah, on n'a pas de souffle. On est un petit peu, le dernier chapitre fait qu'on court, on s'arrête pas, ça s'arrête pas, il y a des flashbacks partout, etc., etc. Bref, je vous le conseille, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. Si vous avez le Game Pass, c'est un jeu qu'il faut faire de toute façon. Voilà, moi je vous donne rendez-vous donc pour les prochains jours pour Gear 5, et puis je vais peut-être faire un autre jeu. En même temps, je vais peut-être me lancer dans Devil May Cry 5, que je n'ai pas fait, mais comme j'ai la série des Devil May Cry, je vais peut-être le faire. Ou peut-être que je vais peut-être faire le 1, le 2, le 3, le 4... et le 5, pour qu'on puisse voir la saga ensemble, je ne sais pas, je vais réfléchir. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous prochainement. Comme je vous ai dit, j'espère que ce let's play vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, c'est important. Et je vous donne donc rendez-vous dans les prochains jours pour de nouveaux jeux. Allez, salut!